Ce soir, nous allons jouer à la maison de... Il, ça veut dire quoi? Il, merde, il. Il, colline. C'est la colline, non? La maison sur la colline. Ah, c'est ça, avocat. Très bien. On va jouer à la maison sur la colline. Alors, pourquoi je dis le titre du jeu en français? Tout simplement parce que tout le jeu est en anglais. Mais vraiment, les sous-titres sont anglais. Donc, il va falloir que je... Bah, que je traduise chaque dialogue du jeu. Sachant que dans le jeu, à Skip, ça parle beaucoup. Donc on va voir le niveau d'anglais que j'ai ce soir. Ça va être très intéressant. Allez, on démarre. Vous êtes prêts? C'est parti. Let's go. On va essayer de traduire. Hein. Allez, on traduit. What? On a une GoPro. Hey, do you hear me? Hey, tu m'entends? Good. Cool. Hi, this is Frankie. C'est Frankie. Est-ce que t'es prêt pour ton nouveau job? Je sais, t'es pas fan des jobs rush, mais on te paye assez bien. Et ta famille a besoin de monnaie. Donc on peut faire une exception. Ok, ton métier est simple. My job is to guide you through this, so you can avoid every possible problem. Do you understand? Excellent. Let's get you ready. There was a camera near your headphone. Attach it to your shirt. Le son est assez fort ou pas? Le son, il est assez fort ou j'augmente? Ok, donc en gros, il y a quelqu'un qui est parti de la maison, donc je peux y rentrer. Et donc il y a Frankie avec nous à l'oreillette, on sait pas trop qui c'est. Dude, we don't have time for this. Grab the camera. Yes, that's it. Now I see the room. Not bad. Maintenant je vois la chambre. Okay. Ah non, maintenant je vois la pièce. You also need a flashlight. It's in a garage. Maintenant il te faut une lumière. Allez, on va choper la. Okay, I turned off the light. Find a flashlight and just wander around here. Get used to working in the dark. Oh, le mec a le contrôle sur la maison, what the fuck? Là, il nous dit ouais, je viens d'éteindre la lumière. Trop bizarre. Good. Now, inside the house you'll find an alarm system. It's an old one, but I want to be sure you'll be ready. Find the wire cutters and the screwdriver and I'll show you what to do next. Screwdriver is in one of the upper cabinets. Ok, donc en gros, il y a des alarmes assez vieillottes dans la maison, donc ils nous demandent de choper genre une pince ou un truc à la con pour désactiver l'alarme. Très bien. We look happy. I hope that in the future we will take more of such photos. Problem? Look at the cabinet over the table. Est-ce que c'est nous? Bienvenue Elysium. C'est nous ça? Ah bah voilà la pince. Already found a wire cutter. Well done. Screwdriver over on a table in one of the cabinets. Ah, fermé. J'ai loupé un truc. Placard garage. Placard garage. Ah. Ah. Hein? Okay, I set up a training fuse box to the right of the gate. It's almost a perfect copy of a real alarm system. And now you're gonna turn it off. Trop forte, Scare. Trop forte. There it is, my masterpiece. Remove the bolts and open it. I need to see what's inside on the camera. Okay. Wait a second. I have a problem with the picture. Aha! Here it is. Grab the cutters and carefully cut the blue wire. Blue one. I told you the blue one. So you can follow basic instructions. Congratulations. Merde. Okay. Merde. Now we are ready. It's time to move. Get into your car and I'll tell you where to go. If you want to listen to me, of course. Bon alors, le jeu a l'air vraiment bien, par contre c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas de sous-titres français quoi, c'est Merde, putain, il me dit de couper le bleu, je coupe le blanc, moi je suis vraiment con, hein. Je suis vraiment trop con. Bon alors on se casse, on prend la caisse, on y va. Ok, c'est mal barré. Ah putain, je vous jure. Oh.
Spooky. Waouh. Oh putain. Ouh, j'aime bien là. Ouh, j'aime bien là. On a toujours la lampe torche. Je pense pas qu'on a un système de piles. Oh, ça me plaît. Nice place, don't you think? If I were rich, I'd live here too. There's a lot of pricey stuff there. Pay no attention to them. We only have one evening to find our goal. A piece of jewelry called the Heart of Fog. Only one attempt. We can't go back if something goes wrong. Vous le sentez venir? En fait, je commence à comprendre ce qui se passe. Genre, on est un... Donc la famille a... En fait, c'est ça. Notre famille a besoin de thunes. On avait un pote qui était genre dans les braquages. Right next to you, you'll find a fuse box. This is the alarm system. On connaissait un gars qui était dans les braquages et ce gars nous a dit, mec, il y a une maison en ce moment, il y a personne dedans. C'est une maison de riche. C'est ta chance pour donner de l'argent à ta famille, vas-y, tu vois. Sauf que vous sentez que cette maison est vraiment hantée. Vous sentez que cette maison, elle pue le démon. C'est ça, hein. On va cambrioler une maison hantée. Voilà le pitch du jeu. We have an electronic lock here. The system is a bit more complicated than our training fuse box, but the base principle is the same. Je vais bien écouter ce qu'il dit cette fois. Cut the blue wire and you can go in. Cut the blue wire. OK. On cut the blue wire. Il y a pas de bleu. Rouge, blanc, vert, jaune. Il y a pas de bleu les crozes. Il y a pas de bleu là. Mais je coupe quoi? Je coupe à côté de la boîte. Non, je peux pas couper. Bah écoutez, je coupe le vert, hein. C'est ce qui ressemble le plus au bleu, hein. Blue wire, blue. Cut everything. Okay, good. I checked the line. There was no signal to the police. Move on. Ah mais j'ai pas envie d'y rentrer, mec. Okay, the door is open. Ok, la porte est ouverte. Rentre. Oh, ça sent tellement la merde. Je peux pas juste rester là à chiller, tu vois. Chiller sur ma petite chaise, là. Oh, allez, c'est parti. Putain, mais... Ok. Tout va bien. Francky? Eh, Francky? Let's play this fast and clean. You enter, you take what we need, and then you leave. This thing is on the ground floor inside the office. Move quietly, be careful, and no one will ever know that you were here. First, find the kitchen. If my blueprints are correct, you need to go through it to get to the office. Ok, donc en gros il nous dit travaille vite et bien, prends vraiment juste ce qui a de la valeur et casse-toi de là. Et en premier lieu, va dans la cuisine, c'est là où tu dois aller en premier. Hello? Bon déjà, pourquoi il y a des putains de bougies allumées? Hein? C'est la grande question, ça. La grande question que tout le monde se pose. Pourquoi il y a une bougie allumée? Hein? Pourquoi pas les trois? Pourquoi juste une? The former family of our bachelor. Hey, this kid looks just like yours. I'm not implying anything, but maybe your wife knew this guy. Don't be so mad. I'm just kidding. Donc c'est la famille qui vit dans ce manoir. Ok, très bien. Oh, regarde le tableau là-bas, il fait flipper. Mais pourquoi c'est allumé là? S'il y a personne. Ah, look at the right. There's a light behind the door. We should probably go there. Ah là-bas, ok, faut que j'aille là-bas. Mais il y a quand même la cheminée qui est allumée et tout, mon gars. Hein. C'est bizarre. Hein. C'est très bizarre. Hein. Je le sens un peu mal. Hein. Bon, on va dire qu'il y a personne. Coucou. Look in play. Ah, voilà la cuisine.
We have... Have you noticed that there's not a single knife in this kitchen? The man is too paranoid. Is he afraid that someone will get inside and kill him while he sleeps? Well, you are here, but anyway, he needs to lose some steam. Go to the dining room and after it you'll find a corridor. En gros, il dit, tu trouves pas ça bizarre? Genre, il y a aucun couteau dans la cuisine. En fait, Frankie avec la caméra, il voit tout ce qui se passe. C'est pour ça, il est en direct avec nous là. Il est genre en direct. What? Well, shit. Okay, it's okay. He probably just likes to make sausages or something like that. The owner is a hunter, so it's okay. It's okay, it's okay. Moi, j'ai des boyons dans mon frigo. C'est pas ok. Hein. Knife, regarde, y a aucun couteau. Il n'y a aucun couteau dans la boîte à couteaux. Ok. C'est beau, hein. Bien fait ce jeu. Yeah, the owner probably forgot to clean before leaving. What? Move. We must hurry. On est dans Resident Evil 7 ou quoi les gars? Il y a la famille Baker qui va se pointer ou comment ça se passe? Ce sont des longs knackis quoi. Ouais, on va dire que c'est des longs knackis. Je serais parti en courant après avoir ouvert le frigo. Pareil. Pareil, exactement pareil. Ah, je sens que ce jeu va me faire peur. Ok, on va juste dire que c'était le vent. Qui est sorti de mon cul. Good. Look for a study. Inside you'll find a safe. Focus on that. Ouais, focus on that. T'es pas à ma place, connard. T'es pas à ma place, hein. Unattended fire. I guess that sooner or later, this home is gonna burn. Look at this shit. They have a VCR with a power cord that goes through the wall. Couldn't they make a normal socket? Wait, this is not a power cord. It's something else. Ah, va falloir que je trouve une cassette. Va falloir que je trouve une cassette à mettre ici. D'ailleurs, j'entends jouer du piano. Une douce mélodie dans mes oreilles. On va aller voir. Non, j'ai pas eu peur là de l'assiette, hein. C'est rien. Wait! Non. Mais il est con! Right. Mais il est... Eh. Me refais plus ce genre de blague, Frankie. Hein. Sérieux, je suis cardiaque moi. Fais pas le con. Wouah, putain, c'est quoi ce tableau? Do you hear music? Where is it coming from? Bienvenue, Crisis. Regardez le tableau. Ah, il fait peur, lui. Hein. Il fait peur. Hein. Il fait flipper, hein. En vrai. Salut, Ego, ça va? Oh my god, j'aime pas ce visage. Ce visage me transperce l'âme. Ok, la musique vient de là. Bedroom. Look around. Maybe you'll find something useful. La chambre, regarde autour, tu as peut-être trouvé quelque chose d'intéressant. The toilet. Didn't I tell you to do your business before work? By the way, I'll be right back. Ah non, il s'est barré. Ah c'est... Frankie, il se passe... Déjà ! Non mais Frankie, au moment où il part, il se passe des trucs pas normales. Sérieux, Frankie, putain de merde. T'es un peu mon porte-bonheur en fait. Reviens, enculé. Oh putain, Ego, sérieux, merde. T'as pas honte de me réveiller avec tes notifs de live, hein. Putain, il est fou, il est fou, Ego, il est fou. Merci beaucoup, Ego. Ok. Merci beaucoup Ego pour le don, merci. Je veux sortir, sortez-moi de là. Sortez-moi de là. Putain de merde. Elle vient d'où cette musique?
Ah, mais elle vient de là! Ah, ok, elle venait de là. Oh, c'est pas un vrai piano du coup qui joue tout seul, c'est juste une radio, ça va. C'est rassurant. Ok, donc là, il n'y a plus d'électricité. Pourquoi il y a un fil là? Ah, c'est là, d'accord. Oh, il y a un corbeau. Il y a un croc. Toi, me dévisage pas, enfoiré. J'aime pas ton regard. Attendez, il y a un croc, il y a un croc, c'est énorme. Il y a un croc. Regardez, il a les yeux rouges. Il est pas beau? Il est magnifique. J'entends ce que tu dis. Tu me préviens d'un danger, c'est ça? T'inquiète pas, je sais qu'il y a un danger. Je le sais qu'il y a un danger. En fait, ça vient de la télé, le truc. C'est la télé qui est reliée à la porte. C'est très bizarre comme, comme reliement. Ouais, si, si, c'est ça, Adeline. C'est ça, hein. Ok, c'est enfermé. Donc, à mon avis, je dois allumer la télé. Ce qui va envoyer du courant dans les fils. Et qui va ouvrir la porte. Pour moi, c'est ça, hein. Bah non, c'est pas bon. Ah, faut peut-être que je trouve la cassette du coup. Putain, l'ambiance. Oh, l'ambiance. Ah, je viens de déverrouiller cette porte avec la clé. Ok, c'est bon. Ouais, ouais, j'ai récupéré une clé Scott, je viens de la pénétrer là, la porte. Ok. La cassette. Pourquoi il y a une cassette posée là, sérieux? Une vieille cassette. Calm down. It's just me, your friendly inner voice. Enfoiré. What's up? Why is everything dark? Pourquoi tout est noir? Bah gros, je sais pas, il y a une coupure d'électricité. Allez, je mets la cassette. Fais play, gros. Ah, trop bien. Il y a quelqu'un qui a filmé à l'intérieur de la maison. Donc là, c'est le... Là, c'est le... C'est le portrait, là, qui fait flipper. Ok. C'est vraiment bizarre, j'ai vraiment un mauvais pressentiment à propos de ça. Bon, Frankie, encore une fois, t'es pas à ma place. Ok, t'es pas sur place, donc ferme-la. Ok. Alors du coup, est-ce que... genre, est-ce que la porte va s'ouvrir comme dans la vidéo? Ah putain, elle s'est ouverte. Le truc, c'est que sur la vidéo, j'ai l'impression d'avoir vu... quelque chose derrière la porte. J'ai l'impression d'avoir vu une silhouette, mais c'était très rapide. Bon, en tout cas, ça s'est ouvert. Hello? Y'a Kike? Okay, here's a study. Now you need to find it safe. Former soldier. I heard he came back from service all in chemical burns. Maybe that's why his wife left. We are not taking the medal. On ne va pas prendre la médaille, d'accord. Try looking behind the painting. Ah, regarde derrière la peinture. Oh putain, qu'il est bon. Et qu'il est bon. Que cet homme est bon. Effectivement. Jackpot. Yes. Jackpot. Here is where our trinket lies. Open the safe, grab it, and you can go home. On a trouvé le gros lot, les crozes. On a trouvé le gros lot. Ah, par contre, il nous faut un code. Merde. Alors, à mon avis, le code, il doit être là-dessus. Ah, si, 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 si. Attends, on a été mariés pendant 7 ans. On a le 7. J'ai servi pendant 4 ans.
à l'armée, donc 4. Wen, quand j'y suis retourné, elle a détruit tout pendant tous les 3 mois. Donc 3. And I was left alone, family of one. Et j'ai été laissé tout seul, ok. Donc c'est 7, 4, 3, 1. Merde, il y a eu un bug là. 7, 4, 3, 1. Nice! Now grab this trinket and we can leave. Allez, on ouvre, on ouvre. Et là, il y a une tête à l'intérieur. Ce serait énorme. Non. Oh là là, le diamant. Alors là, pour le coup, c'est un diamant. Hein. Là, c'est pas un rubis, ça. Hein. It is very expensive. If I can sell it... Ok, donc c'est vraiment quelque chose qui coûte cher. Si j'arrive à le vendre, tous mes problèmes seraient envolés. Donc en gros, voilà, on a trouvé le jackpot. Bienvenue, Assassin Red. Alors maintenant, ce qui va être compliqué, à mon avis, c'est de ressortir de cette baraque. Salut, Mickey, tu vas bien? Bonsoir, bise fumante, la bise... What? What's happening? Hold your breath and look for a way out! Merde, il y a du gaz! Oh, look for a way out! Oh merde! Come on! There must be another way out! Mais gros, non, je suis dans un bureau, qu'est-ce que tu me racontes? La cheminée, peut-être? Putain, il m'a fait peur! Don't breathe! Don't breathe! oui, don't breathe! Y a pas d'issue, gros, y a pas d'issue, gros! En dessous du tapis, maybe, peut-être. I don't know. Keep looking. Oh, il m'a fait tellement peur. Ah, faut que je la bouge. Wall drop. Ok. Leave now. Je la pousse. Allez, go. Mon dieu, l'enfer. Easy. Is everything okay? Did you get it? There seems to be no gas here. Good. What was that? Come on. I need to get you out. Ça pue du cul. C'est quoi qu'on a vu? Vous avez vu ce que c'était derrière la porte? J'ai pas eu le temps. Ça m'a fait penser au monstre de Amnesia. Mais dans tous les cas, cette maison, fallait vraiment pas y rentrer en fait. Bon, on a le diamant, mais I knew there was an extension, but I never thought it looked like this. What's its purpose? I don't wanna know. Ok, donc Frankie, il savait qu'il y avait un petit passage secret, mais il s'attendait pas à ce genre de truc. Oh, c'est des chiens. Do not open the doors. Don't even come close to them. When all of it is over, I'll make an anonymous call to the police. Now all you need to think about is how to get out. Oh mais c'est horrible. Oh non, il y a des chiens qui pleurent. J'ai envie d'ouvrir, mais je vais me faire bouffer en vrai. Hein. On va éviter. Wait, it could be a way out. Open the box. Let's see if we can open the door. Ouais, ça me fait un peu de peine, j'aime pas entendre ça. La SP en sueur. Don't move, let me see. Ok, je te laisse regarder, Franky, vas-y. Il n'y a pas de fusible. Fuses are down. Ah. Ok, not a big deal. This model uses standard fuses, so... He made this extension by himself, right? Somewhere here should be an electrical fuse box. You need to find it and take the fuses. Yes. Ok, donc les fusibles sont morts, on doit en trouver des nouveaux. Bah écoutez, c'est parti. Hein. Allez, let's go. Ça pouvait pas bien se passer, hein. Il fallait qu'il y ait un fusible qui ait pété, quoi. C'est... Putain, j'entends une femme là. Mais what? Il y a des humains.
Ah, c'est fermé, hein. Ah, c'est fermé, les crocs. Je voulais ouvrir, mais... Bah attends, mais qui enferme des humains ici? C'est trop bizarre, là, cette baraque, là. What the fuck, dude? What? Bon, ça va, c'est pas des corps humains, mais quand même, quoi. Here's the box. Take out the fuse. Parfait. Ok. Everything is fine, don't worry. Just go to the door, insert the fuse into the panel and get out of here. Alors par contre, ce que j'adore, il y a vraiment un truc que j'adore dans ce jeu, c'est que Frankie, il est toujours avec toi. Du coup, tu te sens t'es seul dans la maison, tu vois ce que je veux dire? T'es seul dans la maison, mais tu te sens pas en sécurité, mais rassuré qu'il y ait une voix avec toi et qu'il voit ce que tu vois. Avec la caméra, il peut voir ce que tu vois, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment bien pour un jeu d'horreur d'avoir fait ça. Genre, le gars est H24 avec toi, quoi. C'est trop cool. Du coup, tu vois, t'es seul, mais tu te sens pas trop seul. Bon, par contre, fais gaffe, hein. Oh putain, je sens le screamer. Il n'y avait pas quelqu'un là-dedans. Mais j'entendais des gens pleurer là. Oh, what? Ranyanya Girl is back. Mon dieu, elle en a foutu partout, putain. Ah, c'est trop bien fait, écouter les bruits quand on marche dans le sang. Ok, trop bizarre, y'a quoi ici? Y'a rien. Je me casse, moi. Mon dieu. J'ai le sang en peau. J'ai le sang en peau, cette histoire. Allez, on met le fusible. On se casse. Now, we must look for a way out. And... Oh non. Oh non, c'est reparti. Hey, are you okay? Listen to my voice. We must get out. Oh putain, vite! Qu'est-ce que tu branles, mec? Allez! Shit! Run, run, run! Ah! Ah! Oh putain! Oh 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 oh! Go through that door, fast! On va derrière la porte, vite, 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 non, ok, ok. Back. Non! Quoi? Are you okay? Move! You must go! Oh non, y'a des corps humains! Be quiet! Quiet! Fuck! J'adore parce que t'as les réactions de Franky en même temps, parce qu'il voit, tu vois. Il voit avec sa caméra, du coup il flippe devant son PC, tu vois. C'est trop bien. Oh, oh merde! Mon dieu, mais c'est quoi cette horreur? Close the door! The bolt on the door! Ah! 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 Fucking pipe! Here almost! Là, we have là, an idea! Close the valve! Hurry up! Close the valve, close the valve, close the valve. Ok. C'est bon. Are you okay? Thank God. Well, shit. Okay. Time to get out. Try to climb out the window.
On a foutu le feu à la baraque. Alors là, du coup, il faut que je pousse ça. Ah, mais il est là, regardez. Oh, putain. Horrible. Mais non, on a mis le feu à la maison. Tout ça pour un diamant. Bon, en même temps, c'était assez tendu, mais... On a foutu le feu à la baraque. Ah, c'est excellent, regardez. Bon. Travail terminé, Francky. Opération réussie avec succès. Hein. Avec succès. Hein. Par contre, elle est où la sortie? Elle était là-bas. The kitchen wasn't a safe path. We probably could take the other path. Qu'est-ce qui se passe? Rembobinage de l'extrême? What? Ok. On a vraiment foutu la merde. On a vraiment foutu la merde. Hey, hey! Do you hear me? Why have you stopped? Anyway, so we need to find an old necklace. It lies somewhere in the master bedroom on the second floor. Be careful. You only have one attempt. We can't go back if something goes wrong. Attends, what? Les creuses? Non. Nous revoilà. On doit... Oh, on est revenu dans le passé. On est revenu dans le passé, faut le refaire. It's time to start. I heard the owner hides his spare keys near the entrance, so it'll be pretty easy. J'ai l'impression que on doit tout refaire, mais c'est pas la même histoire. Enfin, c'est quasi la même histoire, sauf que là, Francky nous dit il faut qu'on trouve le collier au second étage. Et maintenant, regardez, il n'y a plus d'alarme sur la porte. Have you looked in a pot or under a doormat? What the fuck? Et du coup, ça change totalement. Great. Yes. It'll be easier than I thought. Let's go. Bon, du coup, on connaît les lieux. According to my blueprints, the master bedroom is on the second floor. Look for the stairs. Et regardez, ça a changé. La porte de la cuisine est fermée maintenant. Half of my house can fit in here. Or the whole of yours. You can even see the second floor. Okay. Moving on. You must find the stairs. Ok, faut qu'on aille à l'étage du coup. Let's go. Oh, un diamant. This looks like a fake to me. Ah, c'est un fake. We came for a different thing. Ah putain, je me disais c'était trop simple. Quoi? This is strange. But we don't need to go there, so forget it. Regardez la chaîne. Il y a quoi derrière cette porte là? Merci Siraya, putain. C'est parti pour recommencer, courage. Merci Siraya. What? Mais je vais pas là-dedans moi. Putain, j'ai le choix entre monter ou descendre. Qu'est-ce qu'on fait? On monte ou on descend? Que fait-on? Je me tâte. Je me tâte. Je suis plutôt d'avis d'aller en bas. The master bedroom is upstairs, on the second floor. You need to go up. Ah d'accord, je peux pas aller en bas en fait. Ok. Bienvenue Nehru. Ok, bah je monte. So we need to necklace. It belongs to an ex-wife of the. Start from the bedroom. Shit.
Where's this static coming from? Ok, donc là il dit on a vraiment besoin du collier, il se trouve dans la chambre. Pourquoi elle a les yeux blancs comme ça, elle? Tu fais flipper, meuf. Donc il nous dit qu'il faut le collier dans la chambre de la femme. De la... Mais c'est quoi cette famille, là? Non, mais faut m'expliquer, les gars. C'est quoi cette famille, là? On dirait des vampires. Alors j'en connais des pièces flippantes, mais alors une comme ça là. Y'a quoi là-dessous? Looks antique. What do you think it's worth? Take a couple of shots. I want to see if it's working. C'est pas vrai, ils vont nous refaire le coup du... C'est pas vrai. Mais non! Oh j'adore. On avait... Mais c'est quoi le jeu? Vous vous souvenez? C'est quoi le jeu qui avait ça là? On l'avait fait en live il y a pas longtemps. Ils nous refont le coup du... De l'appareil photo. Qu'il faut secouer pour regarder. Wait, I didn't see it there. Or is it a glitch? Okay, let's move on. Oh non, ils nous refont le coup. Ils nous refont le coup des photos. En fait, cette idée de photo dans les jeux d'horreur a tellement fait kiffer les joueurs que maintenant ils les mettent dans tous les jeux d'horreur. Ils l'ont mis dans tous les jeux d'horreur maintenant, l'appareil photo là. En même temps, c'est tellement une bonne idée. Mais du coup, est-ce qu'il y a des fantômes? Je commence à me poser des questions là en vrai. Il y a des fantômes. Le tableau. J'aime tellement pas ça. Putain, moi j'ai un problème avec les sourires comme ça. Regardez le tableau. La femme a fait des grands yeux, elle sourit, mais c'est genre un sourire mais terrifiant quoi. Ah mais du coup elle sourit. Je vous jure que le tableau elle souriait pas il y a 2 secondes. Ah, je déteste ce sourire. Ça, c'est le genre de sourire qui me met mal à l'aise. Putain. Ah, il est glauque le tableau. Ça commence à faire flipper là, vraiment. There should be something on this table. Ok, donc le truc qui est entouré sur le journal, c'est une disparition d'un artiste assez connu et de son fils. Oh, une cassette. Enfin, on a la trace d'une cassette, on n'a pas la cassette, ok. Ah, mais du coup, si je prends la photo là... La cassette va apparaître. Et ouais mon gars, putain c'était sûr, ok. This is not happening. Hop là. This is insane. Ok, let's go bébé. A recognized artist and photographer and her son. The search continues. We are still waiting for an official statement from the police representative. In the meantime, we express our condolences to the husband of Mrs. Ah, c'était la femme, la photographe, alors. I have some connection problems here. Okay, let's look in the other rooms. The necklace should be in the bedroom. Le collier doit être dans la chambre. Alors là... Vous avez vu les tableaux? Horrible. Regardez ce tableau, putain.
Putain. Oh, il y a une ombre là. Hep, 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 hep. Hep, hep. Mon gars. Ça y est, je flippe. Ça y est, je flippe, putain de merde. J'espère que c'est un mannequin. C'était pas un mannequin! Et toi là, t'es vraiment moche. Hein. T'es vraiment moche toi. Ah ouais, d'accord, ok. Oh là là, d'accord. Jouer ce jeu. C'est vrai, Syria, il fait peur. Hein. Non, vraiment. Je sais pas comment vous êtes devant votre écran là, mais. Ok, donc le collier est dans la chambre. Faut que je trouve la chambre. Elle doit être là-bas. Bof, ça va? Sérieux, vous avez pas peur? Putain, moi je flippe. Hein. What? Ah, la voilà la chambre. Ok. Je pensais pas que l'ombre ferait un saut pareil. Moi, je pensais vraiment que c'était un mannequin. C'était un truc. Il y a une photo là. Des photos. Bambi Karma. Bienvenue, Bambi Karma. Allez, on va choper ce collier. Have you noticed the number of pictures? Someone was clearly interested in photography. Or he wanted to capture something specific. Vous avez compris du coup l'histoire du jeu là? Je vous fais un petit résumé vite fait. En gros, là, on vient d'apprendre donc qu'il y avait un artiste de disparu avec son enfant. Et donc là, on en apprend plus. On sait que l'artiste, elle était photographe et que c'était la femme. C'était une femme. Donc, elle vivait sûrement ici. Et effectivement, elle prenait beaucoup de photos, quoi. Mais des photos de quoi? J'avoue que celle-là, elle est un peu flippante, hein. T'imagines, tu prends une photo de ta fenêtre, puis tu vois ça. Ah, ok, on apprend qu'il y a un escalier ici pour monter au grenier. Parfait. Très bien. Moi, je cherche le collier. Oh là! Alors ça... C'est rare que j'ai peur, mais ce serait mentir de nier que je n'ai pas sursauté. Ok, donc la photographe prenait des médicaments assez violents. I knew that a child used to live here, but why is this the only thing that was left of him? Where is his bedroom or toys? There must be at least something. Ouais, j'avoue, c'est chelou, ouais. Un petit problème là. Ouais, en gros, il y a un enfant qui vivait ici, mais il y a. Oh merde. Oh merde. Il y a des dessins d'enfants dans la baignoire. I'll find out. Bon, on va se calmer, les gars. Ok, donc je comprends un peu mieux. Le mari était violent. C'est pour ça que la femme, donc la photographe, prenait ce genre de médicaments. Parce qu'elle se regardait, c'est prescrit pour des agressions. Enfin, pour des traumatismes d'agression. Donc, c'est ça. Et donc ouais, il y avait un enfant dans cette famille, regardez là, il a dessiné ici. Mais ce qui est chelou, c'est qu'il n'y a pas de jouets, il n'y a pas de chambre d'enfant. Oh putain de merde! There's something very strange going on here. Forget it, forget the necklace, just look for a way out.
Ok, donc là, Franky me dit nique sa mère le collier, oublie tout, juste rentre chez toi, mec, casse-toi, ça pue. Je suis assez d'accord, on oublie le collier, on se casse. My god. Ah, mec. You can't stay here anymore. Jump over the balcony and get out of here. Franky me dit mec, vu ce qu'il y a devant toi, juste saute, saute du balcon. Il vaut mieux. J'ai quand même envie d'aller voir. J'ai quand même envie d'aller voir. Est-ce qu'il va nous refaire le même coup ou pas? Oh. J'ai bien fait de pas sauter, putain. Ça, c'est mon niveau de dessin, ça. Oh mon dieu, ça n'en finit pas. T'as loupé un petit peu, Théa. Il s'est passé pas mal de gros jumpscares. C'était assez violent. C'était vraiment violent. Mais ça va. Ah mais putain, j'aime pas ça, moi. Sam, I have interference. I can't hear you. Ok, on apprend que les photos font disparaître. J'abandonne, j'arrête. C'est bon, stop. Ça, je peux pas. Oh putain, alors là je prends sur moi. Salut Gabi. Putain, je prends sur moi les crozes. Il fait tellement peur en plus. Je suis sûr, il y en a là qui sont en train de baisser le son. J'en suis sûr. Les crozes, mettez le son à fond, putain. Et si je prends une photo de lui, c'est parce que attendez. Peut-être qu'il va disparaître, non? Oh. Il a disparu. Derrière toi. Non, arrêtez. Putain, il est là-bas, ce con. Ok, il y a un drap qui est tombé. Yes, on apprécie. Je vais juste le reprendre en photo. Hein. Je m'approche pas de ça, hein, c'est mort. Je ne m'approche pas de cette merde. Faut peut-être pas s'approcher de ça. Hein. Faut pas s'approcher de ça. Hein, hein. C'est peut-être une mauvaise idée, ça. Hein. Je vais pas vous mentir.
Visiblement, madame n'aime pas la lumière. Ouais, exact, elle reste dans l'ombre, c'est vrai. Mais du coup, je peux pas prendre de... Je peux pas prendre de photos... Enfin, je peux prendre des photos, mais je peux pas prendre de photos avec le flash. Locked up? But I'm sure we didn't lock it up. We'll find another way out when we're done. Ok, faut trouver un autre moyen d'entrer dans la chambre. Aïe, aïe, aïe. Ça met mal, ça met très mal, hein. Regardez. Elle est jolie, hein. Ah bah non, là du coup, non. Elle était jolie. Elle était jolie, mais elle ne l'est plus. Bon, comment on va passer, du coup comment on va passer... T'inquiète, c'est Baptiste, il a déplacé le truc. Bon, on y va? Pitcher! Do you hear me? Take a pitcher! Ok, il fallait que je prenne une photo. C'est good. Oh putain. What? M'en doutais, c'était sûr. Putain, elle l'évite maintenant, elle l'évite. Ah, ça vient d'ouvrir l'escalier du putain de grenier là. Ok. Mais du coup, je me demande si j'avais sauté du balcon, il se serait passé quoi? Est-ce que ça aurait été terminé? Le jeu aurait été fini? Ah, j'aurais trop voulu voir ce qui se passe. Putain, j'en ai perdu ma lampe et quoi, je peux plus les prendre, arrête. Oh les bâtards. Ah, ok, la lampe est morte, du coup je dois m'éclairer avec ça. J'aime la vie. Pressez to pull out the broken camera, pressez again to put it away. Press the left button to use the flash. Yes! Ah mais là c'est génial. J'ai envie de faire un truc. J'ai envie de me mettre dans le noir. Enfin dans le noir, j'ai envie de baisser la luminosité sur mon visage. Comme ça, je serai vraiment un peu plus dans le noir, attendez. Voilà. Voilà, nickel. J'ai un peu baissé la lumière histoire d'être dans l'ambiance parce que là... On vit un moment assez flippant en live, les crozes. Je vois un truc en haut déjà. Ça me fait penser à The Grudge. Vous savez, la scène, où il y a même dans d'autres films d'horreur, je crois, où il dépasse sa tête, tu vois, il monte au grenier, il dépasse ses yeux comme ça, puis il fait ça comme ça. Il tourne et là il voit un truc qui lui saute à la gueule. Putain, s'ils ont fait ça, c'est vraiment des enfoirés. Il y a une porte, ok. Horrible, horrible, mais horrible. Donc là, c'est sûrement la représentation du père avec l'enfant. Oh my god! Oh my god! Ok, donc le père avait des... Bah, frappé son gosse, très bien. Très bonne ambiance. Je vais pas dormir cette nuit, je le sens. Bonsoir, Xekos. Oh
Oula putain, c'est loin. Oh, c'est loin. Putain de merde, je m'en doutais, saleté, putain, saleté. Elle a voulu me rouler une pelle, vous avez vu? J'y viens de là, j'y viens. Oh. Bexel a utilisé un mot un peu violent. Wizbot l'a banni pendant 60 secondes. Ok. La porte est là, on continue. Ok. Ah, la chambre de l'enfant. Non, me dis pas qu'il vivait là-dedans. Horrible. Il y a un trou. Eh ben, ça fait beaucoup de sens, ça. Ouah, mais attendez, c'est ouf. C'est-à-dire que le père a tué la mère. Attends. Le père... En fait, la mère et le fils étaient portés disparus, ok? C'est passé aux infos et tout. Mais en gros, le père faisait vivre son gosse dans une putain de cage. Et il a buté sa femme à coups de hache. Mais c'est ça, hein. L'enfant a écrit ses notes quand il était seul dans le noir. Je ne pleurerai plus maintenant. Ne reviens plus jamais, s'il te plaît. Je suis vraiment en colère. Je mange tout ce que tu cuisines. Je suis tellement fatigué, maman. Ne me laisse pas. Je veux manger. Maman ne m'aime plus maintenant. Ou alors je me plante, c'est la mère qui était folle. Et c'est la mère qui a tué le mari, non? Je sais pas. Un des deux. Horrible de vivre là-dedans. Horrible. Hello? Tellement fond dans le jeu, je vous jure. Oh putain, la bitch. Elle est là. Tu me fais pas peur. En fait, c'était la mère. Merde, elle est où? Elle est où, la garce? Elle est là. Attendez, c'était la mère du coup qui était. Do you hear me? It seems that the connection is clear now. Are you okay? What was that? Bah gros, tu me croirais même pas si je te le disais. Ah putain, la boule, elle est là. On a libéré la femme. Attendez. Le jeu est vraiment bon, hein. That's why they didn't find her. Le collier. Je suis venu pour ça, pas vrai? We found what we were looking for. You saw what you wanted. Now you can leave, right? Good. Mais c'est une histoire de fou! J'aime bien le jeu, vous en pensez quoi? Dites-moi un peu dans le chat. Qu'est-ce que vous en pensez du jeu? J'aimerais avoir votre avis. Je
Je suis assez impressionné. Je m'attendais à rien. Je vous le dis, j'ai lancé ce jeu en m'attendant à rien. Mais je suis pas déçu. Ouais, c'est reparti, putain, c'est pas vrai. Mais ils vont nous faire crever. Ils vont nous faire mourir. Ils vont nous faire mourir. Pas une troisième fois, les gars. Pas une troisième fois. Check the main facade and you'll find a small window. It should be open. Get in and I'll tell you what to do next. Putain, les gros, c'est reparti. Je trouve que la deuxième mission avec le collier était bien plus flippante que la première. Enfin, bien plus, j'abuse un peu, mais elle était... Enfin, j'ai plus flippé sur la deuxième. Allez, en avant pour la troisième. Let's go. Ok, donc là, on a trouvé directement comment rentrer hein, par la fenêtre. You know what? Tu sais quoi? J'ai le sentiment qu'il faut aller regarder dans les basements. Je sais pas ce que c'est. Le concept est sympa, j'aime bien, franchement sympathique, j'aime bien, mais là si on a eu la mère et le père dans les histoires, on va pas avoir le gosse, j'espère. Je pense que le père tabassait sa femme et son fils, voire les séquestrait, et que finalement il a enfermé sa femme et son gosse et les a laissés mourir de faim. Non, c'est exactement ça, Natatia. En fait, ouais, c'est ça. Déjà, il faisait vivre son gosse dans une cage horrible. Donc l'enfant est mort de faim là, il avait faim, il disait « hit » sur la note, donc horrible. Et sa femme, il l'a laissé mourir de faim aussi dans une pièce là. Bah de toute façon, t'as vu son squelette. Hein. Eh ben, quelle histoire. The former family of our bachelor. Putain, c'est terrible. This kid looks just like yours. Et attendez, regardez. Don't be so mad. I'm just kidding. À tous les cons, on va même pas finir le jeu ce soir. C'est, regardez, il y a deux diamants qui se sont éteints là. Donc on a fait deux histoires. Et il en manque deux encore. Là, on est à la troisième. Mais le live sera pas fini ce soir, les crows. Va falloir en refaire un, je crois. Ok. Gloomy walls and piles of books. Be afraid of knowledge, buddy. The more you know about the world, the more clearly you see it's monstrous. Try to walk along the corridor. We need to descend down. You need to descend down. Ok, donc là, il faut clairement descendre, en fait. Ok. Salut, beau gosse. Du coup, j'ai plus l'appareil photo. Hein. Je me retrouve avec ma lampe. Vu qu'on est retourné dans le passé, je n'ai plus... Donc là c'est toujours pareil, ok. There's nothing interesting here. Leave it. Ok mec. Ah voilà, faut que j'aille là. All answers are waiting for you in the bank. Faut que j'aille en bas. We need to go down. Do you hear noise or is it just me? I need to change the headphones. Vous avez vu? À chaque fois qu'on arrive à un endroit vraiment flippant où il se passe des choses, il y a la lampe qui bug. Et il y a Franky qui... Il y a des espèces d'interférences avec Franky. Ah, par contre là... Ok, hello? Y'a quelqu'un? Move this thing aside. Why did they even put it here? J'aime pas ça. La cave, ouais, on est à la cave. On est à la putain de cave. There is a rare knife stored somewhere here. At least, it is according to our client. You'll know it when you see it. Je me tais. Bunks? Why would someone need to leave bunks under a mansion? Is that an immigrant hideout or what? Donc là, il dit pourquoi il y a autant de lits dans une pièce, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Cette maison n'a pas fini de m'étonner, hein. Putain, il y a des trous. These chess pieces look kind of strange. Maybe you can use them. Oh là là, ça sent l'énigme. Oh putain, ça sent l'énigme. Oh, ça sent l'énigme.
Ok, donc le cheval va avec le cheval. La tour. Ouais, je sais pas. Je dirais ça. Non. Non. J'ai encore dit diamant au lieu de rubis, c'est vrai? Oups. Merde, là. Are you waiting? The door is open. Move. J'ai entendu des voix quand il a parlé. Non, j'ai jamais joué aux échecs, Bexel, ça. Is that a cave? Just seeing things. It's all fine. Okay, let's move on. Putain, on se retrouve dans une grotte là. What the f- I don't feel well. Do you hear the whisper? Ouais. This noise. Ouais. What are we doing here? Je sais pas. Je sais pas ce qu'on fout ici, mec. I remember now. You're sane people, right? We do have a goal. We want to understand who was talking to us. Who is really saying all these lines? This is a natural curiosity. There is nothing unusual. J'entends une voix de femme. She wanted to get her son back. Elle veut qu'on ramène son fils. She was lied to. Oh. Non mais attends, ça se transforme en château, c'est quoi ce délire? This place cannot exist. Do you hear me? This place is... This place is very important. I want to tell you something. I just can't. All I can hear is this distracting thing. I'm losing my thoughts. Losing. Did I want to say something? Ok, donc là y a Franky qui est en train de perdre la boule. Il entend des voix dans son casque et il est vraiment en train de perdre la tête là. Franky, reste avec moi. Who lights these candles? Qui a allumé toutes ces bougies? Here? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Here. Ici. Oh là, Franky, j'ai l'impression que je suis en train de te perdre. This is a part of the gate mechanism. I can open it. I have nothing to hold. Les crosses, putain, on est dans Amnesia. C'est incroyable. C'est Amnesia. Le jeu qui se transforme en Amnesia. Bones. They belong to those who built this place. And those who came here later. What the fuck? J'en peux plus de ce jeu. JPP, hein. Eh, JPP. Ok. Beaucoup de son ici encore. Hein. Ah, parfait, c'est ce qu'il me fallait. Merci les gars! Il y a un truc qui va arriver là, je le sens. Il y a un truc qui va arriver. Regardez. Putain, j'en étais sûr. J'en étais certain. Mais vous ne m'aurez pas! Si on perd Franky, ça va pas aller. Bah ça me fait un peu chier, moi je l'aime bien Franky. Il est là depuis le début de notre aventure, en vrai. Ça me fait un peu chier quoi. Le Franky cache des choses visiblement. Bah je sais pas Siraya, en vrai je crois qu'il perd juste la tête, hein. Il l'a dit lui-même. Il entend des voix, du coup il perd la raison. This is a quiet spot.
C'est un endroit calme. Il y a beaucoup de pièces à visiter, ok. Wow. That's what we are looking for. C'est pour là qu'on est. C'est pour. Ok, on est là pour ça. Appuie sur le levier. I can't. J'arrive pas. Focus. À me focus. Something. J'entends quelque chose constant. There's someone here. Go back. Il y a quelqu'un ici. Go back. Now. Now. They will come for me. They will come for me. Must be back. Ils vont venir pour moi. He needs new parts. She will come for me. Il a besoin d'un sacrifice. Putain, ça part en sacrifice encore. Vraiment? Vraiment? Je dois faire demi-tour? Il m'a dit de repartir. Ok. What? Oh putain, il y a une ombre. Alors, on a connu une ombre dans le jeu. Ça s'est plutôt mal passé. Il est là, c'est lui. Il est là, il t'attend. Tu dois. You must. Mec, Franky, t'es vraiment le pire pote ever, quoi. T'es le pire. Ah, il y a des traces de pas, putain. T'es le pire, Franky, t'es le pire. What? Pas! Une araignée! Putain, je m'attendais pas. C'est le cocon. Parents had been waiting for their son, but he came instead. Non, ils ont sacrifié le gosse? Mais attends, c'est une araignée? Le cocon. Mais c'est une araignée, putain de merde. Ils ont sacrifié l'enfant pour l'araignée? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi ce bordel? Je peux pas courir, Théa. Je peux vraiment pas courir. Oh, putain. He is thirsty. Ok, l'arme qui sert de sacrifice. Très bien, ça. Heart and the liver. They were his birthday present. They keep him here. Exactly. They keep him here. I know what to do. Ça va, Franky? Franky, fais gaffe, hein. Enlève ton casque, Franky. Enlève ton casque. Bienvenue, Max Fly. Bienvenue à toi. Et bienvenue, bah non, Bobby Karma, je t'ai déjà dit bienvenue. Ok, ça part en sacrifice d'araignée, très bien. Ça part totalement en cacahuète. This is his liver. He is here. Non. Un cerveau. C'est quoi ce délire? Merde. Je veux partir. Putain, je plante des cœurs et des cerveaux maintenant, ça n'a plus aucun sens. Les creuses. Oh, mais le jeu est tellement parti loin en fait. Attendez, de base, c'est juste un braquage à la con. À la base, voilà, c'est un délire entre potes pour braquer une maison. Et regardez où on se retrouve quoi. Il y a des araignées, il y a des cerveaux, il y a des sacrifices. Oh putain de merde, oh putain de putain de putain de putain. Je me retourne pas là. Tiens, saleté. T'es morte. Ça part en couille, ce jeu part en couille. Sorry.
Désolé, on a besoin d'un nouveau cœur. J'ai envie de continuer. Le live ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas fini ce jeu. C'est extraordinaire. J'arrête pas les crocs, je vous jure, je continue. Je continue, c'est mort. Je m'arrête pas, je continue. Je le finis en live, rien à foutre. Ah non, là, c'est, ça part trop en couille, là. C'est magnifique, c'est magique. Salut, Choukatouk, ça va? C'est un cambriolage ou very bad trip, ce jeu. C'est vrai que ça part en couille. Allez, dernière partie, je pense. Hein. Je pense qu'on est à la dernière phase. La phase finale. We have an electronic lock here. The system is a bit more. What? Tam. Well, we must do it anyway. At least we must try. Get in. J'ai plus les mots. Je comprends plus. En gros, Franky a été possédé. On est parti dans un portail. Il y avait une femme araignée. Le bordel. Why is there a fire here? Was it a cleaning lady? Probably. Pourquoi il y a un feu ici? Est-ce qu'il y a une femme de ménage? Probablement. Elle ne doit pas être là la nuit, tu m'étonnes. Non mais ce qu'on vient de voir, c'était ouf là. Did you manage to open it? Good. But are you sure that you want to go in there? Oh. It's a weird feeling, but I think this dagger can't be. Okay. Sometimes ignorance is bliss. Well then, let's take a walk. You already know the drill. Someone will come, and this someone will try to kill you. The question is, who's it gonna be? Putain, je viens de voir un truc dégueulasse passer devant moi. Vous l'avez vu ou pas? Vous l'avez vu ce qui vit? Il y a un truc. Don't think about what you saw. Vous avez vu? Look away. Ah! You always did that very well. Ne pense pas à ce que tu viens de voir. Mais mec, vous l'avez vu? Ah putain, vous l'avez vu, ça va, je suis pas seul. Ok, cool. Ah mon dieu, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Je sens que je vais adorer cette histoire. Oh putain, ça tombe, c'est la pire. En vrai, je crois que ça va être la pire. Oh mais c'est gentil ça. Morshiba qui offre un sub à Jesse53779. Merci beaucoup Morshiba. Merci pour le gift sub. Merci à toi, très gentil, merci. Bon, on vient de voir passer un truc totalement dégueulasse. You know, there comes a moment in life when you just feel trapped. Il me raconte quoi? Eh hey, putain, what? Il y a plus de porte. And when it seems that there's nowhere to go, you'll take any way out. Non mais Franky, c'est ça va? Franky, il est déjà possédé dès le début quoi, c'est Ah! C'est quoi ce rat géant là? What is happening in this house? Ouais, c'était un gros ratana. Putain de gros ratana. Or maybe the opposite. You tried not to think about it at all. Oh non, wait, what? What the? Quoi? Oui. Putain, ils ont tout mis. Calm down. You've already killed them. Keep going. I've prepared a small surprise just for you. Calme-toi, tu les as déjà tous tués. Mais j'ai préparé une petite surprise pour toi. Putain, Franky, t'es sérieux, t'étais mon pote, mec. Je t'adorais, Franky, vraiment, t'étais quelqu'un de bien. Mais là, mec, tu pars trop en couille, gros. On est à la fin. C'est le dernier acte.
You haven't been here for a long time, haven't you? Tu n'es pas venu ici depuis longtemps, n'est-ce pas? Every new job began with this car. What were you thinking when you went to that house? Was it, I'm doing this for my family? Or, this is the last one for sure? Well, you were right about that. Non, on est revenu au départ dans le garage avec notre caisse. Tout le travail a commencé ici. Well, for their sake. Your favorite thought, huh? They never asked you for this. No way. But you were so sure that you stole only because of them. And adrenaline rush has nothing to do with it. There's only one thing you need to do before you leave. Let's check how well you remember things. Open the fuse box and cut the blue wire. Frankie? It was the easiest thing ever. You only had to cut the blue wire. Frankie? Do you really want to return to your family? Well, maybe you'll find a normal job. 8 hours a day, 6 days a week. You'll be reliable, consistent, boring. No. You've always thought that you were too good for a regular job. I understand. You want to stay with your family. If you decide to abandon the job, I can't stop you. Just leave the earpiece and go. You won't hear about me anymore. Non mais mec, en gros il nous dit vas-y si tu veux retrouver ta famille et trouver un job légal, bah vas-y je t'empêcherai pas. Mais gros, je vais pas revenir dans ta putain de maison hantée là, mais t'es sérieux gros? Je retourne avec ma famille les gros hein. Tant pis hein, quitte à faire livreur de pizza, je ferai livreur de pizza de la merde hein. Putain, c'est fermé. Je peux pas retourner voir ma famille. Shit. Pourquoi c'est fermé? Je sens mal. Je suis enfermé. Bah ouais, la famille, normale. Bah attends, il te laissera pas rentrer. Mais attends, du coup, je suis bloqué là. Je suis keblo. Je dois faire quoi là? Ah, c'est le premier jouet que j'ai acheté à mon enfant, d'accord. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Je dois attendre? Je peux rien faire là. Ah, attends. Ah, je devais déposer l'oreillette. D'accord, donc là, j'entends plus Franky. Allez. Putain. On va vers la lumière, les crozes. Je pense qu'on le mérite, hein. On va vers la lumière. Allez, on y va ensemble. Let's go. Sorry. I was joking. It looks like this house has changed. Now it's mine. What kind of place is it? Have you died or just went crazy in prison? Well, that isn't important. In any case, now you're with me. Aïe 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 aïe. Donc Frankie, c'était quoi? C'était une entité? It couldn't be your fault, right? You can't be wrong. The blue wire wasn't here in the first place. Or maybe you had a partner who gave you the wrong instructions. It couldn't be your fault. You are a good person after all. This just can't. Oh là là, l'horreur. Oh merde 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 merde. C'est Frankie ça? Mais t'as bien changé Frankie. Blablabla. C'est pas fini.
Je veux les Teletubbies. Police informed je veux Martin Matin. In the arson of the je veux Martin Mystère. London has been detained. Je veux Kangoo Junior. It turned out to be a 23-year-old native of London by the name of... The attempted robbery has ended in tragedy when the failed thief tried to turn off the alarm and caused a fire. The resulting fire led to the death of a family of three. Married couple and a child were burnt alive due to the selfish actions of the detainee. What? The suspect claims that he is not guilty, since he didn't know about the presence of the people in the home. After all, it's never his fault. Is it? It's amazing what only a few sparks are capable of. Don't be afraid. It wasn't really your fault. After all, c'est notre who knows who these people were? Killers, abusers, monsters. Come on with another reason why they should have died. You did it so well before. Let me give you a hint. Who is to blame? What are you imagining in your stories? The husband is guilty in the death of his wife? The wife killed her child, and the child is... I don't know. He was a monster and killed both of them. Let's see if it fits. Attendez là, attendez. Qu'est pas ça là, qu'est pas ça? An acceptance. I want to look at the person. I didn't think we had to say goodbye, but farewell. Wouah. It's a pity that acceptance cannot fix the past. You know you killed them. Salut. No matter what you will imagine next, we will be together forever. En gros, donc on a foutu le feu à la baraque et il y avait toute la famille à l'intérieur, donc on les a tués. Mais ça n'explique pas les sacrifices, la femme araignée et tout, non? Ça se termine comme ça? Oh, mais ils vont nous faire mourir, putain, il est 23h. Eh, si ça aurait fini comme ça, ça aurait été le timing parfait. Hein. 23h. Ça va ou ça? Ouais, ça va bien. Bah écoute, je viens d'enchaîner 2 heures d'horreur, mais vraiment intensive. C'était assez violent. This demon thing wasn't too much. Was it a good ending? There is no time. I need to leave it as it is. Since when did I start talking to myself? I can't take it anymore. Lately, I can't get my childhood out of my head. I don't know why. I always knew who I would be when I grew up. My father took care of this. Director of the factory. Very powerful person. He had big plans. Frankie, c'est le petit garçon. Some of them were on me. But first, I had some daily schedule to do. You must wake up at 5, then homework, then school, and in the evening. On incarne Frankie là. On incarne Frankie. Every day was a preparation for the future. I had goals. At age 14, a junior assistant in the sorting floor. At 15, a senior assistant. Head of the floor at 24. Replacement for my father at 31. There is no time for doubts. I would do everything for him. Every day. I hated it. I had no one to talk to. I had no idea how. Nowhere to go, and because of that, again and again. C'est vraiment bien fait. Putain, ça va partir en théorie à la fin là. Laisse tomber quoi. C'est quoi cette histoire de fou? But I found a way out. Bon, je suis en train de comprendre pour l'instant, je vous expliquerai à la fin. Mais je suis en train de comprendre là un peu.
At first, it didn't work out very well. Stupid stories. It's too embarrassing to even think about them. But they gave me the distraction then. Letter from the publisher. An opportunity to leave. And at 18, on my birthday, I decided to do it. Father was furious. He locked me up. He used his educational methods stronger than usual. But it's all in the past. I was able to leave, and that's what really matters. I left all this behind. I found a special girl. That's what's important. We have a wonderful baby. And we lived happily ever after. Until... Donc, Frankie a rencontré une jolie femme. Ils ont fait un gosse ensemble, ok. Donc, c'est sûrement leur maison. Très bien. Le bébé avait des problèmes de santé. We tried as best we could. It was all for nothing. Bills for treatment grew every month. My novels started to get rejected, and in time our money ran out. I got a second job, then started another one. That wasn't enough. But we had a chance. Ok, donc le bébé avait des problèmes de santé, ça coûtait super cher pour le faire opérer. Très bien. Ouais, c'est vraiment dommage pour les sous-titres anglais, mais ça, j'arrive un peu à comprendre. Je comprends pas tout, mais j'essaie. Is he all right? Est-ce qu'il va bien? Le docteur a dit qu'il était stable. Good. Have you taken a nap yet? I didn't have time. The operation just ended. How are you? L'opération vient de finir. Qui êtes-vous? The part with the maniac is ready. Où êtes-vous? I will write it in time. Can we get another loan? We are already in debt. They won't give us any more. I just need to finish it and... You can call your father. Nadine, you know we shouldn't do that. I've already spoken to him. He has plans for me, and now he has plans for Oliver. He will break him. He is a monster. Aiden, I don't care who he is. I don't care even if he has horns and a tail. We're talking about our son right now. Listen, if he gives us money, then we won't be able to leave him. Never. No, I will sell the book, and we will solve everything. Aiden... Your last work is still in your desk, along with the previous one. How do you know that they'll buy this book? This is all that I have. I promise you, this is my best work. I just need to finish it and everything will be okay. Do you believe me? 1 month, Aiden. Then, we'll call your father. I can handle it. I promise. Just say that you believe me, and I will do everything. 1 month. Ok. Donc on a décidé d'écrire un livre pour essayer de gagner de l'argent, et notre femme nous laisse un mois pour le terminer. Aiden. I will leave it all behind. I can work with my father. We can come up with something together. But if only I had a couple more days. Aiden, are you okay? No, that does not matter. Hello, Nadine. Ok.
Ok, donc il y avait deux fins possibles. Soit je continue à écrire mon livre pour gagner de l'argent. Tout ça. Soit je répondais à Nadine, qui est ma femme derrière la porte. J'ai répondu à Nadine. J'ai pas tout compris la fin là, putain. C'était quoi le rapport avec... En fait, je comprends pas. J'arrive pas à relier les choses entre elles. C'est quoi le rapport avec le sacrifice avec... tu vois? Vous avez compris quoi sur la fin, vous, sérieux? J'ai pas tout compris, en vrai. On incarnait qui, du coup? Aiden écrit des livres pour subvenir aux besoins de son livre. Il écrit donc un livre parlant de Frankie et de son acolyte. Ah, donc on a vécu une histoire. On a vécu l'histoire du livre que Aiden a écrit, c'est ça? Oh putain, ça serait lourd. Si c'est ça, c'est lourd. Ouais, enfin, de Aiden, du coup. Ouais, c'est ça. En fait, Aiden écrit un livre. Donc, c'est l'histoire de... machin et de Frankie qui vont cambrioler une maison. Et à la fin, il se dit ah ouais, non, c'est de la merde. Du coup, il efface dans son livre et il réécrit l'histoire. Et en fait, nous, on vivait l'histoire. On vivait ce qu'écrivait Aiden dans son livre. Ah, ok, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est bien. Ah, c'est bien. Bon jeu. Bon, les crocs, je vous laisse là. Je vous fais plein de bisous. Passez une très bonne nuit, très bonne soirée. Merci encore aux dons, aux follow, aux bits et aux abonnements. Merci à vous. Merci les crocs, merci à tous. Et voilà, merci beaucoup du fond du cœur. Regardez, le plus beau cœur. Le plus beau cœur. Je vous l'envoie. Allez, une bonne nuit les crocs. Merci d'être venus et on se retrouve très bientôt pour un prochain live. A très vite. Ciao.